pas tout de suite. D'abord, on dit bonjour. Ah oui, excuse. Bonjour, comment ça va les Genevoises? Salut Genève. Petite vidéo aujourd'hui sur notre site GapDance pour le yoga. Je vais vous présenter cette activité avec cette chère demoiselle Leslie qui va se présenter, qui va vous expliquer un petit peu tout ce qu'elle fait et ce qu'elle va vous proposer pour les cours de yoga chez GapDance. Alors salut à toi qui me regarde aujourd'hui, je suis Leslie, j'ai 31 ans, je suis de Genève et j'enseigne le yoga. Avant de découvrir cette technique, j'étais probablement comme toi, fatiguée, nerveuse, anxieuse, j'avais des problèmes de dos. Moi aussi. comme pratiquement tout le monde, je crois, ou une grande majorité, des douleurs de dos, des problèmes d'insomnie et de digestion. Eh bien, je t'invite à découvrir la discipline du yoga. Toi aussi, si tu as tous ces petits tracas, tous ces petits bobos du quotidien, eh bien, le yoga va répondre à tout ceci. Donc, avec Leslie, on va t'expliquer les bénéfices du yoga. Tu verras qu'avec une pratique régulière du yoga, tu auras de nombreux bénéfices sur le corps comme sur l'esprit. Une meilleure tonicité musculaire, une meilleure souplesse, plus de dynamisme, moins de problèmes de dos, moins de problèmes articulaires, moins d'anxiété, de stress et plus d'harmonie. Donc, tant de bénéfices avec le yoga. Avant, tu disais par rapport aux problèmes articulaires, donc ça veut dire que par exemple, les personnes qui ont des soucis de polyarthrite, d'arthrose, par exemple les seniors actifs, ça pourrait dire que pour eux, le yoga pourrait être adapté. C'est un yoga qui est effectivement, comme tu le dis bien, adapté donc à la condition des seniors et aux problématiques articulaires. D'accord. Mais c'est tout à fait recommandé. Et juste avant, tu as dit que les personnes qui étaient stressées, qui étaient un peu angoissées, qui avaient une vie un petit peu de fou. Bon, on sait ici qu'à Genève, on travaille beaucoup, on a une vie qui est très active, on commence le matin tôt, on finit le soir tard. Alors, toi qui nous regardes, et si tu es encore là, bah, c'est que c'est bon signe. Ça veut dire que tu es intéressé par cette pratique. Leslie, est-ce que tu peux leur expliquer un petit peu ce que tu vas leur proposer et comment ça va se dérouler? Eh bien, on aura déjà trois types de cours que tu vas pouvoir retrouver sur le planning de l'école GapDance. Le premier, ce sera celui qu'on va appeler Before Work. Excusez-moi pour mon English. Et donc, on va, dans ce cours-là, réveiller le corps et te préparer à attaquer ta journée avec dynamisme. Ensuite, on aura un deuxième type de cours qui s'appelle le yoga doux, où là, on va plutôt aller à l'intérieur de soi-même. On va pratiquer la méditation, la respiration et quelques positions douces. Et puis, on aura le troisième type de cours qui est le yoga dynamique, où je vais te faire transpirer un max. Alors, si tu n'es pas encore convaincu ou que tu as encore quelques petits doutes, eh bien, sache que à GapDance, on est un établissement qui est familial. On est cool, on est fun, on se prend pas la tête. Et donc, tu auras compris que si tu cherches un lieu où pratiquer le yoga de façon détendue, sans prise de tête et sans compétition, eh bien, tu es à la bonne adresse. Et sache que ici, on a un abonnement qui est très intéressant, qui est illimité et qui te donne accès à tous les cours du planning. Génial! Bah, j'ai envie de dire que c'est quand même une bonne opportunité. Bah, je crois que si tu as compris le message, qu'est-ce qu'il faut faire, Leslie? Eh ben, il faut venir! Voilà, exact. Comme on dit chez nous, GapDance, bougez-vous la vie!